torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez, le petit public. Oui, dévorez. Le seuil t'attend. Passe de l'autre côté. Non, Hugo. Occupe le gamin. Ne l'écoute pas. Je me charge. Hugo, les gens! C'est le seul moyen! Dis au revoir à ta mère, petit! Mais faites de mal! Ne va pas trop près des rats! Ils te tueront si tu ne les contrôles plus! Ta mère, petit. Ne va pas trop près des rats. Ils te tueront si tu ne les contrôles plus. Les tuer ? Je suis désolée, Hugo. À l'attaque ! Tuez-la ! Qu'est-ce que tu vas faire ? J'aurai l'honneur de tuer la mère. Arrêtez ça ! Ce n'est qu'un enfant ! Allez, à moi. Tuez à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Tu vas mourir, Alchimiste. Marchez. Hugo, écoute-moi. Tu dois tenir. Je suis là. Ta mère, petit. Ne va pas trop près des rats. Ils te tueront si tu ne les contrôles plus. Les tuer ? Je suis désolée, Hugo. À l'attaque ! Tuez-la ! Qu'est-ce que je dois faire ? J'aurai l'honneur de tuer la mère. Arrêtez ça ! Ce n'est qu'un enfant ! Allez, à moi. Tu n'as plus de maison. Tuez à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Tu vas mourir, Alchimie. Marchez. Hugo, écoute-moi. Tu dois tenir. Je suis là. Écoute ma voix. Il y aura une récompense pour celui qui l'a tué. Sois courageux. La prima Macula. Elle réagit. Continuez. Arrêtez de le torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez, le petit chéri. Oui. Dis au revoir à ta mère, petit. Ne va pas trop près des rats. Ils te tueront si tu ne les contrôles plus. Les tuer ? Je suis désolée, Hugo. À l'attaque ! Tuez-la ! Qu'est-ce que je dois faire ? J'aurai l'honneur de tuer la mère. Ce n'est qu'un enfant ! Allez, à moi. Tu n'as plus de maison. Tuez à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Marchez. Laissez-moi. Hugo, écoute-moi. Tu dois tenir. C'est maman. Il y aura une récompense pour celui qui l'a tué. Sois courageux. La prima Macula. Elle réagit. Continuez. Arrêtez de me torturer! Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir! C'est trop tard! Allez! Le petit faibli! Le seul!
serait même un honneur. Qui tu es? Hugo, les rats! C'est le seul moyen! Dis au revoir à ta mère, petit! Ne va pas trop près des rats! Ils te tueront si tu ne les contrôles plus! Il l'est tué? Je suis désolé, Hugo! À l'attaque! Tu es là! Qu'est-ce que je dois faire? J'aurai l'honneur de tuer la mère! Ce n'est qu'un enfant! Allez, à moi! Tu n'as plus de maison! Tu es à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Laissez-moi! Laissez-moi! Incapable. Il y aura une récompense pour celui qui l'a tué. Sois courageux. La prima macula. Elle réagit. Continuez. Arrêtez de le torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez, le petit faibli. Oui, dévore-le. Le sale. Passe de l'autre côté. Non, Hugo, ne l'écoute pas. Je suis fermé. Hugo, ce sera même un menace. Hugo, les rats! C'est le seul moyen! Dis au revoir à ta mère, petit! Ne va pas trop près des rats! Ils te tueront si tu ne les contrôles plus! Les tuer? Je suis désolée, Hugo! À l'attaque! Tu es là! Qu'est-ce que je dois faire? J'aurai l'honneur de tuer la mère! Ce n'est qu'un enfant! Tu n'as plus de maison. Tu es à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Laissez-moi, écoute-moi. Tu dois tenir. Maman. Il y aura une récompense pour celui qui l'a tué. Sois courageux. La prima macula. Elle réagit. Continuez. Arrêtez de le torturer. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez, le petit faibli. Oui, dévore-le. Le seuil t'attend. Passe de l'autre côté. Viens à moi. Hugo, n'oublie pas que tu es. Assez. Hugo, réponds-moi. Hugo, tu m'entends? Je t'en prie. Il est puissant, mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi? Amicia. C'est Amicia. C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la. Laissez-le en paix. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver.
Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Echo. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Echo. Laissez-moi. De rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Non. Mais c'est pas vrai. Allez. Non. Allez, ouvre-toi, je t'en prie. Je sens plus mes doigts. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Moi, je veux rester ici. Ah ouais? Et si... Et si toi, t'arrêtais de vivre comme un animal? Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en vie, c'est tout! Comme on a toujours fait! Hé. La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Je vais voir Lucas. Le pauvre petit a un problème de coffre. Ah. Bon. Quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va? Je me sens vieille. Ah, t'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Tu vas marcher, je te dis. Hé, tu calmes. Si tu casses tout... Oh. Ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Roderick. Je sais pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Alors, tu as fait des prouesses? Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je vais me laver. Je vous laisse. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mellie est fatiguée de courir. Tu
Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Laisse le brasier du rempart. J'allume cela. C'est tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire. C'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rats partout. Demande à Alicia. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Voilà, c'est bon pour moi. Il y a un problème ? C'est jamais arrivé avant. Merde! Merde! Il n'y en a jamais eu autant! L'échelle de l'enceinte rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier! Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté!
preuve de tout. C'est pourtant le cas. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Je dois atteindre l'échelle de l'enceinte rouge ou je vais mourir ici. Amicia, je t'approche un brasier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. L'autre. Fais vite, s'il te plaît. Amicia, je ne voyais plus. Ça va ? Oui, merci. À toi maintenant. Le brasier, de ton côté. Je te l'amène. Tu t'en sors ? Ouais. Préfère être ici que en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia ? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend ? J'en sais rien, moi. On aurait dit une sorte d'attaque. Tu te fous de moi ? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais c'est ils savent ce qu'ils font. J'ai vu ça qu'une fois. Amicia, je crois que j'ai besoin de à la toi. Maison. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Dieu, j'y croyais plus. Ça va ? Tu t'en sors ? Ouais. Préfère être ici que en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia ? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend ? J'en sais rien, moi. On aurait dit une sorte d'attaque. Tu te fous de moi ? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent ce qu'ils font. Merde ! J'avais bien vu que tu pourrais te tirer. Chez moi. Amicia, à la maison. Je crois que j'ai besoin de toi. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Il en arrive encore. Ils veulent vraiment me bouffer. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi maintenant ? Tu mérites une médaille. Allez, viens. Rejoignons les autres à l'intérieur. J'espère qu'ils vont bien. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment...
Est-ce que ça va? Non. C'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas une simple invasion. Par ici! Vite! Va et fais ce que tu dois faire. Hugo. Viens. Hugo. C'est lui. Mélie, qu'est-ce que tu fous avec cette porte? Lui. Elle veut pas Amicia. S'ouvrir. Qu'est-ce toi. Qu'elle nous fait? Les rats. Ah. Oui, voilà. Avec la macule, on va sortir. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non. Il est foutu, ton château. Les rats passent ses dépenses comme dans du beurre. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux... Paul, dois se tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez. Non. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Putain, non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu attends, menteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Assez. Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure! Ordure! Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était! Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Arthur, maintenant! On l'a eu, ce sale chien. Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je dois parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Hugo ! Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde ! D'accord, d'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais. J'essayais de te protéger. Je t'en supplie. Tu m'as menti. Non. Huh?
Amicia. Ma lame est encore chaude. Profitez-en. Attends. Les rats, ils t'obéissent, non? Il doit bien y en avoir pas loin. Ils sont là, mais ils ont peur du feu. Alors on va l'éteindre. On a besoin d'eux. Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Vous êtes jeune. Je vous tuerai vite. Ce n'est pas un luxe que j'accorde facilement. Je peux les entendre battre de peur. Jouer avec mes nerfs n'est pas... Oh, les vermines! Égal. Lyra, Amicia, il les a tous tués. On va en libérer d'autres. Pas facile de vivre dans l'ombre du porteur, hein, Amicia? Je peux me libérer de ça.
Qu'est-ce que vous croyez faire? Vous n'êtes rien, sinon de la chair pour ma lame. Ta sœur ne pourra pas te sauver, petit. Vous allez payer. Et votre mère... Votre mère vous haïra pour ce que je vais faire. Pas facile de vivre dans l'ombre du vent. Non! Arrière! Arrière! Puisque vous ne voulez pas aller en enfer, c'est l'enfer qui viendra à vous. On l'a tous eu! Chance. Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie! On est cinq contre... contre une armée! En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil? Oui, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. C'est grand. Tu crois qu'on va arriver à trouver maman? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez. Ça suffit de traîner. Hé, attends! Elle est triste, Melly. Elle va se calmer. Mais on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincibles. Roderick, c'est un enfant. Hé, merde! Qu'est-ce qui se passe? Melly, calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre! Ils ont pas fait exprès, Melly. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais faudra faire attention. Oh, Melly, attends! Elle est en colère contre moi? Non. Elle est... en colère tout court. Mais... Laisse-lui un peu de temps, Hugo. Attention. Hé, hey, ça
Ça a déjà commencé, vous croyez? J'espère bien. Parce que ça grouille de plus en plus dans le coin. Ils sont trois. C'est risqué. Talis sait ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. Qui risquons de faire dans ce trou? On sait même pas ce qui se passe vraiment dans cette foutue cathédrale. Allez, c'est le moment. Lucas, avec moi. Ils viendront. Ellie! T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Mais merde! Il va les voir. Hé! Arrêtez! Je vais l'aider. Restez là. Pourvu qu'il s'en tire. Elle connaît la ville comme sa poche. Elle va les balader. Venez, on doit en profiter. Il est pour toi. Toi, t'es fini. Beau travail. J'y suis peut-être allé un peu fort. Ça a bien changé depuis la dernière fois. Les cloches, la cathédrale, Amicia. Vite, Alice est là-bas. Alors Mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Jurassien prêt. L'important, c'est que le grand inquisiteur se débarrasse de la morsure. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. Ils sont ici. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Regardez le sol. Personne à sa recherche. Bizarre. Le capitaine a toujours été son protégé. Vitalis a changé depuis l'arrivée du porteur. Il s'est peut-être trouvé un nouveau protégé. C'était quoi ça? Je suis seul ici. Pas la peine d'insister.
comme ça. Bonhomme, tu as une armée de rats. Rodrick, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. À ton signal. Tout seul? Tu veux le faire? Tu t'en charges, Rodrick? D'accord. Wow. Passez! Allez vite! Attention! Les rats, ils veulent sortir.